résultat de l'amour, pas du savoir. Celui qui a un champ de vision trop limité ne peut pas être heureux. Et c'est pourquoi l'égoïste ne peut pas être heureux parce que chez lui, tout est rétréci. Pour être heureux, il faut s'élargir jusqu'à embrasser le monde entier et seul l'amour permet cet élargissement. Celui qui a beaucoup d'amour s'étend, se dilate. Il embrasse l'univers, il vibre avec l'univers, tout s'ouvre à lui, il ne rencontre plus de barrières et le bonheur ne le quitte plus. La condition du bonheur, c'est l'amour. Oui, seulement l'amour, pas la science ni même la philosophie. La science, la connaissance, ne peuvent pas nous apporter le bonheur. Elles préparent le chemin, elles orientent, elles éclairent, mais elles sont incapables de nous rendre heureux. C'est ce qu'avait compris Salomon qui disait « Beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin. Plus de savoir, plus de peine. » Ceux qui savent beaucoup ne sont pas heureux, alors que ceux qui ont beaucoup d'amour dans leur cœur, même s'ils ne savent pas grand-chose, sont plus heureux. Omram, Mikhaïla Ivanov, bonne journée à tous.